Hello, hello à tout le monde. Ici Fluganu71 et on se retrouve sur comment changer son Play Store en celui à peu près du pays que l'on veut. À peu près. Alors je vais vous le présenter tout simplement via une application. Elle s'appelle HolaVPN. Vous cherchez HolaVPN et voilà, vous l'avez. Alors, je vais vous inviter à chercher ça, je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo, ceci, cela. Donc, vous faites accepter. Et donc, je vous apprends donc ce que c'est un VPN. Alors, un VPN, c'est comme si que... Imaginons qu'un VPN, ça fonctionne comment? Ça fonctionne tout simplement, vous avez l'adresse. Justement, en général, le VPN, il vous demandera juste l'adresse. Éventuellement, ça c'est éventuellement un identifiant et un mot de passe, mais ça c'est éventuel. Mais en général, le VPN demandera juste au minimum l'adresse. Ensuite, ben, il faudra lancer dans l'endroit justement où c'est fait justement pour pouvoir se connecter via VPN. Alors, si les derniers téléphones Android, on peut directement se connecter à un VPN si on a l'adresse. Et éventuellement, il pourra. Et il y a aussi le truc de l'identifiant à remplir, mais ça c'est éventuel. Sinon, ben, tu peux l'installer. Sinon, bon, ben, t'es pas obligé de l'installer justement. Bah, t'es pas obligé justement d'utiliser cette manière-là de VPN. Sinon, il y a un truc pour les nuls ou pour ceux qui veulent avoir un paquet de VPN facilement, j'ai envie de dire. Et justement, cette manière-là, enfin, l'une de ces manières-là, mais je vais vous en montrer qu'une parce que, ben, je crois pas que ça sert à grand-chose de montrer 150 000 manières. Donc là, je vais faire multitâche. Là, je vais fermer l'appli. Là, l'appli est fermée. Il y a CleanMaster qui me sert d'antivirus et de plein d'autres trucs. Maintenant, ce que l'appli est sans danger, je vais commencer à lancer Hola, qui me dit salut en espagnol. La blague. Et donc, ils me disent que Hola est un... Je vous traduis, est un gratuit peer-to-peer à traduire. Moi, je connais, je ne sais plus ce que ça veut dire peer-to-peer. Service de VPN, cela fonctionne par partager les idle ressources de ses utilisateurs pour bénéficier à tous. Hola garde son service gratuit et provide le payer pour la commercialisation version de VPN service au business. Lire plus au sujet de Hola Network ici, mais je vais pas lire. Et si tu veux, alors il y a aussi I got it, ça veut dire j'ai compris. Si je veux utiliser Hola VPN, mais je ne veux pas contribuer à aider que le réseau Hola utilise mon... Ah ok, donc il m'a dit d'utiliser la premium s'ils veulent pas que j'utilise mes données. Mais je crois que on est tous suffisamment assez radins pour soit installer la version premium au black ou sinon se contenter de la version gratuite. De toute façon, je suppose que 150 000 personnes doivent s'en ficher complètement. Et donc là, vous allez dans mes applications. Attendez, je vous remontre. Oups, ça a quitté. Donc là, bon, je recommence. Faites comme si vous avez rien vu. Donc là, vous allez dans mes applications, vous allez dans plus. Et donc, bah, ce qui est cool, c'est que vous pouvez changer pour plein d'applis. Alors, je suppose que ça sert pas à grand-chose pour beaucoup d'applis. Vous allez lancer Play Store. Play Store, vous faites à part, vous allez choisir, vous voyez, un drapeau américain. Enfin, un drapeau des USA plutôt. Vous allez donc parcourir à partir, vous allez scroller, enfin, vous allez justement ben, glisser vos doigts sur l'écran. Du bas vers le en mettant le bas vers le haut, bien sûr, ça c'est vraiment pour les nuls. Et donc, bon, vous avez jusqu'à vous faites ça jusqu'à ce que vous trouvez France. Bah, si c'est sûr que, en tout cas, si c'est ce qui enfin, en tout cas, si c'est cela qui vous intéresse, voilà, vous faites ça jusqu'à trouver France. Vous trouvez France, il y a plein de pays, mais je n'ai aucune idée s'ils fonctionnent tous. En tout cas, les plus grands fonctionnent et vous faites ouvrir, vous attendez. Vous la nécessité d'un accès VPN, créer un VPN Android. Vous la demande de configurer une connexion à la oui. Donc vous faites tout, vous acceptez ces deux messages-là.
Si vous avez deux messages comme ça qui apparaissent sur votre téléphone, vous faites oui. Vous acceptez comme un gros soumis. Sinon, ben, vous aurez rien. Donc là, je referme mon mot de passe. Vous pouvez rien voir. Sauf que malheureusement, oh mais l'application fonctionne pas. Donc voilà comment ben, celui qui s'y connaît rien en Android va dire ah mais l'application fonctionne pas. Je vais la désinstaller au plus vite. Je vais essayer de me débrouiller pour pouvoir la désinstaller. Puis voilà. Mais non! Mais non! Mais non! Voilà où viennent justement mes informations. Alors vous essayez de faire en sorte d'avoir justement accès à justement aux informations de l'application. Alors moi les informations, je peux le faire juste en sélectionnant l'application. Je montre, je vais dans le tiroir d'application, j'appuie sur Play Store et puis je tiens. Puis je vais dans informations d'application. Et puis bon, j'ai mes informations d'application. Mais une autre manière d'avoir accès aux informations d'application, c'est comme cela. Donc voilà, je montre comment avoir accès. Vous allez dans Paramètres, pour ceux qui se demandent ce que c'est. Vous allez dans Paramètres. Vous allez dans Paramètres. Et vous allez justement ben, chercher justement ben, dans Stockage. Vous allez dans Stockage. Vous attendez. Et puis vous allez dans Espace utilisé. Voilà. Vous allez dans l'espace utilisé. Et puis vous allez chercher justement dans ce qui a normalement été téléchargé. Non, pas téléchargé. Vous allez dans tout. Non, j'allais dire télécharger, mais non, non. Play Store, généralement, on ne le télécharge pas. Donc vous allez dans tout, justement. Donc c'est pas sur Play Store, justement, déjà. Donc. C'est pas de tout dedans. Ah, c'est nul. C'est nul. Non, c'est nul, mais c'est embêtant. C'est où Play Store? Non, vous cherchez, vous finirez bien par trouver. Où t'es Play Store, où t'es? Où t'es Play Store, où t'es? Alors j'espère ne pas l'avoir loupé, j'aurais l'air bien bête. Hein. Si j'ai loupé. Comme Grégory, loupé. Ah, ah. Non, ça marche juste pour ne pas l'avoir loupé. Putain, ça a tellement d'applications d'ailleurs. Oh punaise, c'est long, mais je suis. Non, mais je vais le trouver là. Mais bon, si je trouve pas, pour avoir justement, à force de chercher, si je trouve pas, allez, trouve-le, punaise, c'est pas si dur, quoi. Ah bah voilà, j'ai bien trouvé. Putain, je suis allé chercher 150. J'ai cherché tellement de kilomètres plus bas alors qu'en fait c'était là. Donc bon. Donc vous faites justement d'un. Oups, désolé. Voilà. Donc vous faites forcer l'arrêt. Voilà. Oups, désolé, j'avais mon doigt sur le micro. Ouais, parce que j'enregistre avec le micro de mon téléphone, j'ai pas d'argent. Donc vous allez donc forcer l'arrêt de l'application. Vous demandez. Vous dites gentiment, bon, arrête-toi. Et puis vous faites vider le cache. Et là, normalement, si je dis pas de bêtises, là je ferme un nouveau Play Store. Là, je réouvre Play Store. Et là, normalement, là je refais mon mot de passe, tranquille. Oups, il y a un petit souci, ça m'a dit que ça, que c'était pas le bon. Et là, vous faites accepter, pas refuser, accepter. Voilà!
Maintenant, vous avez justement ben le Play Store de France avec plein d'applications que vous pouvez aimer. D'ailleurs, Asphalt Nitro. Waouh! Et donc là, vous avez Asphalt. Asphalt Nitro. Vous avez le Play Store de France avec tous les jeux. Vous pouvez y payer si vous avez envie. Si vous avez envie ou que avoir les mises à jour. Ouais, parce que personnellement, j'avoue que ben. Aïe, désolé. Oups. J'avoue que ne pas payer ces jeux, c'est pas mal, mais. Je suis désolé, c'est juste que. Il y en a certains qui vont me dire que je suis con de payer. Mais payer, c'est pas si mal que ça. Déjà, de A, ça incite les gens à améliorer le jeu ou à te faire de nouveaux jeux. De A. Et de B, bah, surtout, ça te permet d'avoir les mises à jour. Donc, bah, payer, il n'y a pas que du mauvais à payer, quoi. Même pour un radin, il y a quand même des bons points à payer. Et voilà, je crois que vous avez tout vu. Et là, par exemple, vous avez une application qui est. Bon. Je vais prendre l'exemple typique de l'application qui n'est pas dispo. Une application typique qui n'est pas dispo en Guadeloupe. Oups, désolé. Excusez-moi, c'était pas fait exprès. Exemple typique de l'application qui passe pas en Guadeloupe. Ben. Ah, voilà, un petit jeu que beaucoup de gens aiment bien jouer. FIFA. Voilà, FIFA. On se fait un FIFA. Voilà, donc bah, on voulait jouer à FIFA 15 sur votre PC, sur votre tablette. Ah, c'est quoi ça, FIFA 16? C'est vraiment. Ah oui, mais ça, c'est l'appli compagnon, c'est de la daube. Vous jouez à FIFA 15 Ultimate Team. Eh ben, là, c'est possible parce que là, c'est écrit installer. Je peux vraiment installer FIFA 15. Oups, désolé, encore un souci. Ah, franchement, ce gyroscope, ouais, c'est ça le gyroscope. Il en fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi ce gyroscope. Enfin bon. Mais bon, voilà. Donc ben, vous pouvez installer votre FIFA si vous avez envie. Votre FIFA ou plein d'autres applications dont j'ai pas idée. Vous pouvez aussi installer Clash Royale. Mitomo, etc. Vous pouvez installer tellement de trucs. Vous pouvez même installer du Call of. Parce que oui, ça existe Call of sur Android. Ça a l'air totalement fou. Mais ça existe. Et je rappelle aussi au cas où, pour ceux qui savent pas, vous pouvez toujours changer à n'importe quel moment que vous voulez le VPN. Vous pouvez pas. Pardon? N'oubliez pas que vous n'êtes pas limité que d'utiliser le VPN machin chouette là. Enfin, vous n'êtes pas limité que d'utiliser le Play Store le VPN pour le Play Store de France. N'oubliez pas ça. En plus, maintenant que j'ai sélectionné France, il m'affiche de défaut le Play Store de France, ce qui est pas mal. Et ça fonctionne aussi si vous voulez celui du Japon. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer un jeu qui est vraiment dispo qu'au Japon. Voilà, je fais ouvrir. Donc là, bon, ça fait un peu n'importe quoi. Mais bon, là, je suis juste Play Store de France. Vous allez me dire, oh oui. Juste avec ma méthode. Ah, encore. Ma méthode. Je vais pas vous remontrer encore. Ça m'a trop embêté d'aller passer dans charger dans toutes les applications. Ah, mince. Fichu mot de passe partout. Mais bon, au moins ça m'évitera que lorsque quelqu'un va me braquer avec son pistolet, qu'il puisse équiper un téléphone déjà totalement fait, totalement prêt à être utilisé. Même faire n'importe quoi, c'est avec mes données aussi. Donc vous faites forcer l'arrêt et vous videz le cache, mais ça prend un peu de temps pour justement ben, vider le cache. Allez, le cache, arrête de te cacher. Ah ah. La blague bien déjà faite. Hein. La blague faite par tout le monde, certainement sur Terre au moins.
J'ai vite envie de dire quoi. Et donc, bah, vu qu'on est. Ah, justement. Faites vider le cache. Vous fermez tout ça. Voilà. Vous relancez Play Store. Et là. Si ça vous intéresse. Play Store du Japon. Vous êtes salé. Play Store du Japon. Et donc, bah, s'il y a une application qui vous intéresse au Japon. Prenons exemple, par exemple, d'une. Ah, mince. Punaise, mais ce gyroscope, vraiment. Yogine, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Mais il fait n'importe quoi. Donc, par exemple, Tokyo Ghoul. Vous jouez à Tokyo Ghoul sur votre PC, votre portable. Alors, je ne me souviens plus, c'est comme. Normalement, je pense que c'est avec le nom japonais qu'on peut trouver l'application. Mais il y a moyen de. Donc, si toi, sur un jeu fait par un fan, justement, le jeu justement fait par un fan va me rediriger justement vers le jeu officiel. Wow, il y a tellement de jeux. Je connais pas. Ah, ça me l'a pas redirigé dessus. Ah, si, voilà, j'ai trouvé. Voilà, Tokyo Ghoul Carnival. Et voilà, vous avez où? Il y a du Sword Art Online? Waouh! Et j'étais pas au courant qu'il y avait un jeu Sword Art Online. Et donc bah là, vous avez droit à la possibilité de pouvoir voir du Tokyo Ghoul. À jouer à votre Tokyo Ghoul sur votre mobile. Par contre, si vous voulez utiliser ça sur. Aïe, désolé. Si vous voulez utiliser ça sur. Aïe, j'ai fait n'importe quoi. Donc si vous voulez utiliser ça sur BlueStacks. BlueStacks, vous savez, l'émulateur Android. Donc j'ai peut-être fait une petite vidéo de présentation dessus justement. Bah c'est pas possible. Parce que ben j'ai déjà testé, ça fonctionne pas. Mais bon, voilà, vous êtes au courant. Et je découvre aussi un petit peu. Ah non, Mako, elle fait n'importe quoi. Oh non! Oh non, ma connexion internet. Oh non, ma Livebox. Livebox. Chérie, doudou, quoi. Non! Pas quand j'enregistre une vidéo, quoi. Mais non, mais chérie, doudou, fais pas ça, quoi. Oh non! Je vais devoir. J'espère que ça va toujours m'afficher Play Store du Japon. Je vais essayer de me connecter via ma 3G. Là, je suis bien dans. J'ai bien envie de dire, je suis bien dans la bouche. J'ai qu'une barre, quoi. Alors, je vais me déplacer un petit peu. Vous allez m'entendre bien me déplacer. Voilà. Vous allez bien m'entendre me déplacer. Et là, bon, ça va prendre beaucoup de temps pour justement. Bah. Ah, mais justement, c'est. Non, mais je vais. Non, mais je vais. Non, mais. Non, mais. Non, mais ma box, je vais lui faire quelque chose. Elle a son souvenir. Je vais lui faire quelque chose. Elle a son souvenir, celle-là. Mais ce que je vais lui faire, elle va s'en souvenir, celle-là. Bon, ben. Ma sur internet, elle n'a pas envie de me prendre pour un imbécile. Elle m'a dit. Elle m'a dit. Ah non, mais non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce black screen? Ah, voilà. Ah, ok, donc en gros, bon. Les mecs sont en train de te dire, ouais, justement. Donc après un vieux en jeu, ça ressemble à quoi? C'est quoi comme jeu? C'est un jeu vidéo. Voilà, alors il faut le faire le demander à se recharger justement. Ah, ça fait n'importe quoi. Justement, je voulais juste montrer un petit jeu de. Fait par des fans, enfin, je crois que j'ai m'arrêté là, je vais juste regarder à quoi ça ressemble. Blé, mais bon, ma connexion a l'air de faire n'importe quoi. De. Connexion inspirée. Il fonctionne en moins. Ma connexion fait n'importe quoi. Bon, je.
Je crois que j'ai envie de m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je commence à être franchement fatigué. Et parlons un petit peu des news, justement, c'est sur ma chaîne. Donc, bah, si tu t'en fous de ma vie, si tu t'en fous de mes news sur ma chaîne, tu peux déjà te casser de là, parce qu'il n'y aura pas grand-chose d'intéressant que tu pourras te mettre sous la dent, là. Donc, bon. Au sujet de mes news sur la chaîne, j'avais prévu de faire justement, si, comme par hasard, c'est un petit épisode sur Sword Art Online. Mais j'ai un petit souci justement sur le Sword Art Online Infinity Moment de faire un petit let's play dessus. Mais ça, bah, j'ai eu beaucoup de devoirs, etc. de contrôle et j'ai été emmené dans plein d'endroits. C'était forcé, c'était. C'était une espèce de truc de première communion, etc. Enfin bon, vous voyez quoi, ce genre de délire. Et essayer de retrouver, c'est le jeu de Bandai Namco. Bah, c'est plutôt, je crois que c'est Bandai Namco, Namco Bandai. Parce que pour ceux qui savaient pas, bah Bandai Namco, bah avant c'était pas. C'était deux séparés. Alors voilà, enfin je vais pouvoir enfin montrer cette page. Et donc, bah, justement, je disais que justement cet épisode arrivera très probablement soit aujourd'hui, soit demain. Alors je dis ça assez souvent, mais là, c'est comme les épisodes de What's. C'est comme. L'avant-dernier épisode de What the Cut. Ah, ok, je vois à quoi ça ressemble. C'est un peu comme l'épisode de. C'est comme What the Cut, quoi. T'es en train de chercher, t'es en train d'attendre l'épisode, mais il vient pas, l'épisode. Tu dis, mais crotte, c'est quand il vient cet épisode, quoi. Il commence vraiment à m'ennuyer, l'épisode. Non, mais à chaque fois, l'épisode, c'est l'Arlésienne, quoi. On te dit que ça vient et finalement, ça vient pas, quoi. On se dit. Limite, on se moque de toi, quoi. Mais bon, maintenant, ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est surtout que le jeu soit pas sorti soit sorti sur téléphone. Moi, je m'attendais à ce qu'un jeu de Sword Art Online, ben, qu'ils aient des contrats qu'avec Sony. Bon, bah, ben, tant mieux, j'ai envie de dire, pour ceux qui possèdent plein d'appareils. Mais bon, ceux qui possèdent un téléphone ou une tablette, ben, c'est cool pour ces gars-là. Mais bon, je vais arrêter la vidéo. À plus tard dans une prochaine vidéo. Au revoir.